Il est mauvais, pas vu. Et puis quand il souffle dans le cou, ça va bien. Je marche bien. Il souffle. Mais les cheveux, ça ne va demander pas de Dieu. Ah, mais il est brutal. Ah, ben, voilà, c'est un bon coiffeur. C'est un bon coiffeur. Mais le temps que je m'installe, j'ai les cheveux coupés. L'autre jour, j'étais assis parce que je ne suis pas grand. Mais il m'a coupé les cheveux, mais ils n'ont plus jamais eu le temps de s'y chandelle. Le temps que je m'installe et que je pète, c'est pas fait. Ah, mais c'est beau, le progrès aujourd'hui. Il y a vraiment des choses aujourd'hui qui sont formidables. Hein. Dans le temps, on disait on est né de retour, mais bon, on est né au bon moment. Ah, oui. Mais bon, Dieu, ce n'est pas dit, en 1923, oui, en 23, le 24 janvier, il faisait du frais. Je ne t'ai pas habillé dans ce temps-là. Ah, hein. Oh, ben, bon, Dieu, comme ça, hein. Je ne t'ai pas habillé, puis la mer. T'as pas eu peur? Non, non. C'est rare. Oh mon Dieu, vous comprenez, non? Il a dit qu'il avait fait l'attente. Mais n'empêche que. Dans ce temps-là, il fallait éjecter. Hein. Et que le lendemain, la mère avait autre chose à faire. Hein. Bah, je vous dis la porte pleine. Maintenant que vous êtes hier, il y a des gens qui sont faits tout seuls. Hein? Et hier, on a écouté ça. Ça s'appelle, tu sais, les autodidactes. C'est des gens qui sont faits tout seuls. Ils sont plus gros que nous, là. Hein? J'ai un voisin, il est crâneur comme ça, il dit qu'il est autodidacte, qu'il s'est fait tout seul. J'ai dit à sa bonne femme, il aurait mieux fait d'attendre puis de se faire faire par un autre. Je trouve qu'il s'est loupé. Il y a des gars, ils font du loup, tout le temps. Bon, on est comme on est, on ne peut pas se refaire. J'essayais de me défaire, mais j'ai essayé de me défaire pendant des jours. C'est pour me refaire, des longs moments. Bon, à l'école, j'étais en avance. Moi. Dans le temps, j'étais avant. Il paraît qu'à 18 mois, je portais un an. Ah, mais c'est bien, hein. Et puis dans le temps, je sais, les petits ont été. Nous, on était baptisés dans le temps. C'est ils sont traumatisés. Puis ils nous dansaient la gaule, hein. Le petit gars voulait pas manger la soupe. Pif, paf. Deuxième, c'est pas content, paf, pif. Le troisième, il fait le coup comme ça. Le père, il dit, je ne te dis rien, mon Dieu. Le petit gars, il dit, on ne sait jamais, il y a un bourri pareil. Il se méfiait, dit, avec un imbécile pareil. Vous vous rendez compte? Oh. Il en retend la manche. Il fallait y aller au boulot. On dit, Gaster, ben, allez empêcher les vieux de travailler. C'est aussi difficile comme de mettre des jeunes qui ne veulent pas marcher. C'est incroyable, ça. Mais tout tourne à l'envers. On se demande, on est tout. Oui, je... Tiens, à la chapelle d'Andelle, je peux te déconner, oui. Il y a un gars, il s'appelait Fourneau. Il s'appelait Fourneau, c'était son nom. Il avait buté avec une dame Boudin. D'ailleurs, ça avait été dans le journal. Le fourneau roulant avait buté dans le Boudin blanc. Non, mais non, c'est un drôle d'accident quand même. Eh bien, il y a un jour, il réfléchissait comme ça. Il arrive à la fête, il n'avait jamais rien foutu de sa vie. J'ai dit, ça, t'as quelque chose qui travaille dans la tête. Il dit, je me demande si je... Qu'est-ce que t'as comme ça? Il dit, je me demande, je réfléchis, si je n'ai pas fait de rien foutre toute ma vie. Je dis, comment Dieu explique quoi ça? Il dit, bon, il tombe un peu de me foutre parce qu'il est aussi riche comme les autres. Et il réfléchit ce qu'on. Il y a quand même des gars, il a. Ah, réfléchir à si peu de choses comme ça. La nuit, moi, ça me travaille dans la tête. Hein. Ça, moi, la nuit, je rêve que je ne dors pas. Ben non plus? Ça arrive, oui. Mais je rêve que je ne dors pas. Puis je rêve que je travaille. Ben bon, Dieu, là, je suis fatigué. Je suis content de me relever pour me faire. Mais les rêves, c'est bizarre. Il y a un gars chez nous, il est rentré à monsieur Sous. Même plus d'un monsieur. Au trois quarts. Eh bien, il rêvait qu'il voyait les gendarmes sur la route. Il freinait, il a défoncé le bois de lit. C'est pas d'un innocent. Mais. Alors, il dit, je voyais les gendarmes. Sa bonne femme a dit, il peut dire, tu as eu de la chance de te réveiller parce que dans le tectoré, tu es allé en tôle. Mais elle suivait tout ça quand même. Hein. N'empêche, sur leur tête, il dépensait. Il veillait et il ne bougeait pas, il dit, bouge pas, ça devait être un rat. Va chercher une trique, il ne bougeait pas. Hein. Eh bien, monsieur, bon, elle est déjà gentille, il s'est cassé une orteille. Deux accidents la même nuit. C'est quand même pitié.
C'est pas pour qu'on ait des accidents. Hein. Là, enfin, on cause des accidents, on entend autre chose. Les accidents ne sont plus les mêmes que dans le temps. Le fourgon mortuaire qui a culbuté dans la Sarre, c'est pas tout ça. Le fourgon mortuaire. Le chauffeur était blessé, mon Dieu. Le gars qui était assis à côté du chauffeur était blessé aussi. Enfin, le mort pour une égratignure. C'est quand même un sacré coup de chance, hein. C'est bizarre, les accidents. Ah, mais il y a des trucs tristes que les gens rigolent. Non, mais il y a un banquier chez nous très bien, un banquier formidable. Il y avait Madame la Comtesse de Fonsonnet partout. Il y avait des gens très bien. La vie montante. Ah mais c'était bien, hein. Il y avait Madame de Vaucelles, vous avez entendu parler? Elle avait offert des crottes de chocolat. Et le président, il voulait remercier Madame de Vaucelles pour les crottes de chocolat. Il s'était complètement embrouillé, vous savez pas ce qu'il a dit? Merci de Vaucelles, Madame de vos crottes. Il s'était embrouillé. Eh bien, il y avait le centenaire, il était pas centenaire, il avait 99 ans et demi, il est prochain, hein. Il dit, moi, il est encore solide, il dit, moi, il faut encore un petit bout de gigot, il est blanc, mais solide, est blanc, il fait pop, moi, net, et ça vous fait rire, plus que c'est triste, plus les gens rigolent, je ne comprends pas ça. Celui qui était assis à côté de lui, ce qu'il a dit, il n'est tout pas mort de faim. Et l'autre qui était à l'autre bout de la table. Non mais, il y a 50 ans qu'il était fâché. La rancune, c'est terrible la rancune. La rancune, 50 ans qu'il était fâché. Je sais pas ce qu'il a dit. Comme d'habitude, il va se tirer sans payer. Ah, c'est du con quand même. Il y a longtemps de ça. Il y a 14 ans. Et puis il a un bon tombeau, c'est le pire. Il est bien, hein. Tu rigoles pas, non? Non. Et la dernière tempête. Le tombeau d'à côté a tombé dessus. La bonne femme me dit, c'est malheureux à dire, jusque-là, il y a des mauvais couchés. Et sa cousine, elle est terrible, sa cousine. C'est pas ce qu'elle disait. Elle dit, si ça se trouve, il a été poussé par en dessous. Mais que les gens vont chercher des bricoles. Mais, c'est quelque chose, on entend des bricoles. Il y a des fois, je me rappelle pas, mais on entend. Et répéter, et c'est comme ça, hein. L'autre jour, il parlait de la biologie, tout ça. Hein. Mais j'étais au monastère là-bas. Mais ils font des bons produits là-bas. Hein. Ah, il y a la trappe. C'est quoi la trappe, Nico? La trappe. Je ne sais pas ce qu'il faisait, il était deux pères et deux frères. Il mettait des micelles dans une baraque et il faisait du beurre de micelle. Ça, c'est de la biologie. Hein. Je crois, moi. Allez, à ce heure aujourd'hui, il y a des choses. Oh, là, on voit des choses, mais incroyables. Il y a des fois, je suis forcé de noter parce que je ne me rappelle pas de tout. Mais je note, je fais attention. Je fais de l'artisanat. Hein. Ah oui, ça revient à la mode. Hein. L'artisanat, ça marche. Hein. Dans le temps, il y avait le bourrelier chez nous. Oh, ben, c'était un bon bourrelier, ça. J'ai réparé les équipages pour les chevaux. On avait des chevaux, vous avez... Vous avez bien le bourrelier, vous avez connu ça? Oui. Ah oui. Le mien, mon bourrelier, était formidable. Il prétendait qu'il était descendant de Joséphine de Beauharnais. C'est pas bien pour un bourrelier? Ben dis donc. Ah oui, il s'amenait sur le coup de 10h du matin, il buvait le café, il dit « je viens te dire que je viendrai demain ». Il partait, il revenait le lendemain vers 11h, il salue, il buvait le café, il dit « je viens te dire que je ne peux pas venir ». C'est pas un bon artisan, ça. Oh ben dis donc, formidable, hein. Oh ben, il s'était mis ton pied après tout, d'artisanat pourtant. Ah oui, puis il connaissait ça, hein, les taux. Et puis ça passe à la même heure, les taux, il demande à papy. Tout le temps, j'ai vu ça l'autre jour, avec le cantonnier chez nous, moi. Taupe, il est à la quatrième taupe, il est exactement 18h. La précision. Ah, le cantonnier dit, je m'en vais. Ah ben, les cantonniers, dans le cantonnier, j'ai dit. Il n'y a plus de cantonnier. Non, c'est changé. Donc. Le facteur, ça n'est plus de facteur. C'est le préposé. Pourtant, on a un bon facteur. Il a fait la tournée 2 ans avec son remplaçant. Ah bon, oui, c'est un facteur de réussite. Alors, ils disent plutôt tout le temps. Ils sont gueulés tout le temps quand on n'y a plus de facteur chez nous.
le gars dans les bordures de Degel, les nids de poules de Bourguignon, les nids de poules, les bordures de Degel, la Berouette, la Fouchatière, le Ballet. Oh, mais c'était du boulot, tout ça. Mais il dit, moi, je travaille, hein. Les nids de poules, les balles. L'autre, il dit, moi, je trimballe des lettres et des colis, le facteur, hein. Monter les escaliers et descendre. Ils sont venus dans ce temps-là. Monter les escaliers, des colis, des lettres. Le cantonnier, il dit, je me t'en douille, faut que tu me penses à la poste. Il n'y a pas pensé. Il y a un appel urgent. Pas des capteurs, c'est l'équipement. Là, ils nous ont volé d'abord. Des bougons, hein. En tout cas, ton chien tombe à deux. Si la dame tombe la première, il va être moins bien seul. Mais c'est un grand. Il prévoit la première. Regardez là. Peter. Oui. Ouais. Ah oui, il m'a fait signe comme ça. Non, non. Ah oui, je veux pas. Applaudissez-le quand même, Victor. Oui, il va revenir tout à l'heure. Oui, ah oui. Bah, j'ai juste. C'est assez important quand même, puisque c'est un arrêté du maire. Oui. Et un avis de tempête pour mesure de sécurité. On demande aux exposants de démonter les structures légères, parapluies et barnums pour 17h ce dimanche 7 octobre, car il y a une tempête qui est attendue sur la commune. Voilà. Donc maintenant, Victor, tu peux continuer un petit peu oui, si tu veux. J'en reparlerai tout à l'heure. Et puis après, tu pourras dédicacer tes dits, tu t'installeras. Oui, la soirée, tout tu pourras. Hein, c'est pas ça, mais après. Hein mais non, mais comme ça il fera tout ça à suivre, il s'assiera, il s'assoira et puis il pourra le faire tout ça à suivre. Tu mets à bientôt. Hein oui, alors je rappelle, j'en profite pendant que Victor est en train de signer. S'il est de même, oui. Ah bon, d'accord, c'est une photocopie. Donc, mesdames, messieurs, avis de tempête, mesure de sécurité, démontage des structures légères, parapluies, barnum, pour 17h ce dimanche 7 octobre. Merci de votre compréhension, c'est signé le maire de Montigny-sur-Loireau.